السلام عليكم، مساء النور، مساء الخيرات، بونسوار à toutes et à tous. Et bienvenue parmi nous ce soir dans une nouvelle thématique, toujours dans le cadre de l'initiative Coaching pour tous. Cette initiative solidaire, citoyenne, noble, que je tiens à saluer à chaque fois que, alhamdoulilah, on continue d'honorer grâce au soutien des grands leaders, coachs, formateurs, thérapeutes, mes chers amis qui ont répondu avec joie oui à ma demande. Je tiens à remercier à chaque fois. Merci, merci et merci encore. Merci aux participants pour leur engagement qui nous encourage à chaque fois et qui n'hésitent pas à partager pour élargir notre champ positif. Avec nous ce soir, je souhaite la bienvenue à Madame Najat Mrahi, qui est coach scolaire et coach pour qui accompagne ses clients à être à l'aise et convaincant en oral. Je te remercie beaucoup, Najat, d'accepter mon invitation et d'être parmi nous ce soir pour la thématique la prise de parole en public. Je te laisse te présenter, Najat, et merci encore. Merci, Hanan, pour ton initiative et pour tous les efforts que tu fais, que tu es toujours là à nous rassembler autour de cette fête, de cette fête vraiment de culture et de savoir et de partage, vraiment pour cette belle initiative de se rencontrer et aussi de partager avec entre nous. Je sais qu'il y a des confrères, il y a d'autres personnes, d'autres horizons, mais on est rassemblés par cet objectif parce que nous avons tous et toutes un appel qui est identique, qui est similaire. Et donc, c'est l'objectif, c'est donc d'avancer, de s'améliorer et de trouver, de s'ouvrir vers de nouvelles techniques dans plusieurs thématiques. Et quand on parle de coaching, normalement, il y a cette notion d'accompagnement et cette notion d'être présent pour l'autre et de mettre l'être humain en priorité. Et c'est ça l'objectif à toutes et à tous. Et c'est pour ça qu'on est sensible à toutes ces belles thématiques que nous traitons très, très, très souvent et périodiquement aussi. Donc ça. Et je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Et comme il a dit Hanan, je suis coach en développement personnel et aussi professionnel. Et je suis aussi dans le coaching scolaire et dans l'accompagnement des personnes qui sont à la quête de l'amélioration de trouver la voie de se mettre en face à face dans plusieurs situations de la vie, que ce soit personnelle et professionnelle. Merci, Najat. Et moi, de ma part, c'est toujours avec un grand plaisir de s'entraider et de partager. Et soyez sûr et certain que toujours, 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 on reçoit beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on partage. Et que personne ne sait quand est-ce qu'il va partir, quand est-ce qu'il ne sera plus là sur cette terre ou sur cette vie. Donc vraiment, n'hésitez pas à offrir et à donner tout ce que vous voulez prendre avec vous. Parce qu'on prend avec nous tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a partagé et pas ce que nous avons reçu. À toi, Najat, je te souhaite bon courage. Merci, Hanan. Alors, aujourd'hui, la thématique, enfin, toutes les thématiques dans le développement personnel me parlent, mais en particulier, c'est cette thématique d'aujourd'hui par laquelle je vais commencer. Peut-être, bon, j'ai l'intention de continuer, de partager. Et aujourd'hui, donc, c'est pour moi une occasion de partager avec vous quelques outils, quelques techniques qui ont donné leurs preuves sincèrement d'après mon expérience dans ce contexte de la prise de parole en public. Bien sûr, on sait que toutes et tous, on vit cette situation au quotidien, que ce soit au travail, dans le cadre des réunions d'équipe,
ou alors dans le milieu professionnel, ou alors en milieu scolaire, des étudiants lors des présentations, ou alors lors des présentations des travaux de fin d'études. Et donc, ce n'est pas le bagage qui nous manque, ce n'est pas le savoir qui nous manque. Parfois, on a plein de choses, on a les idées plein la tête, mais déjà, rien que l'idée de penser et de se dire, mais tiens, comment je vais moi commencer à me mettre debout en face d'un public qui est en train de me regarder. Parfois, il y a des gens qui regardent avec expression, ça nous soulage parce qu'on sait que c'est bon, est-ce qu'ils sont d'accord au moins ou ils ne sont pas d'accord. On commence à s'améliorer, c'est-à-dire ça nous donne des indices pour faire quelque chose. Mais des fois, il y a comme ça, le regard figé. C'est comme l'œil d'une caméra, le regard figé. Et ça, c'est ce regard froid qui stabilise. Et il y a la peur qui s'installe. Mais qui dit peur, qui dit beaucoup de vraiment déséquilibre sur le plan comportemental, émotionnel et par la suite comportemental. Et une fois qu'on est déstabilisé, ben ça y est, c'est la déperdition totale. Et c'est par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'il veut. Et après aussi, il y a ce regard, ce jugement. On se raconte des histoires, on commence à se raconter des histoires. Et voilà, ça commence à déraper dans tous les sens. Et il y a des outils, bien sûr, donc pour contourner tout ça. Je voudrais bien partager avec vous mon écran. Comme ça... voilà, pour que... Non, c'est... Il y a le partage d'écran. Excusez-moi. Je voudrais partager avec vous. Alors, ma présentation, il est juste là, à portée de la main. Alors, excusez-moi une petite minute, mes amis. Alors, OK. Alors, est-ce que c'est partagé? Est-ce que... Excusez-moi. Normalement, tu as la main pour partager, mais on ne voit pas toujours ton écran. C'est ça, c'est ce que je suis en train de faire, mais... OK, one minute. Moi, j'aimerais bien, si tu permets, Najet, poser une question à nos participants en attendant que tu partages ta présentation avec nous. Quand vous entendez la prise de parole en public, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Notez cette question et trouvez la réponse plus tard, après d'ici 5-10 minutes. Et en suivant la présentation de Najet, regardez encore les réponses qui vous viennent à l'esprit pour la même question. C'était mon exercice pour vous. Pour aujourd'hui. Voilà, bon courage, Najet. Merci. Alors, donc, cette prise de parole, donc, comme j'ai dit au départ, il s'agit parfois, donc, lorsqu'il s'agit de réunions, lorsqu'il s'agit de préparation de projets de fin d'études, ou alors juste parfois un partage simple et d'ordre quotidien. Ce qu'on doit se mettre dans la tête dans cette thématique, donc les béaba de la prise de parole en public, c'est la confiance en soi, déjà. Mais quand on parle de la confiance en soi, vous allez me dire, oui, on entend parler de la confiance en soi très souvent dans le développement personnel et c'est pas peut-être la thématique, la première thématique qui nous vient à l'esprit. Dans chaque situation. Mais ce qu'il faut se mettre dans la tête déjà, donc cette confiance en soi qui nous permet déjà de se tenir debout devant les gens et d'être en pleine confiance. Et c'est relié à l'estime de soi. D'accord? Donc, quand on a cette estime de soi et quand on est fier de nous, quand on s'aime déjà nous-mêmes, ça nous fait gagner en confiance et ça nous remet un petit peu les idées en place. Ça nous met, ça nous laisse armés et encouragés pour faire vraiment le tri dans nos idées, dans notre façon de voir des choses.
Il y a aussi comme outil, un autre outil à partager. Donc, c'est se donner le droit à l'erreur. Ne pas penser que je suis la personne qui sait tout. Je peux me tromper et c'est correct. C'est correct parce que l'auditoire qui est devant moi, qui est en train de m'écouter, qui est en train d'attendre du nouveau de ma part, c'est vrai que il se peut que le sujet que je suis en train, le sujet, la thématique que je suis en train de débattre, la thématique que je suis en train de détailler, l'auditoire ou alors les personnes qui sont en face, ils sont avides, ils veulent savoir un peu plus, ils sont intéressés. Donc, pour capter déjà en un premier temps leur attention, c'est déjà leur parler d'un sujet qui leur parle, d'une part, et après se permettre, donc comme j'ai dit, le droit à l'erreur, dire oui, d'accord, je sais des choses, mais il y a des choses qui m'échappent, et être bien sûr dans l'accueil des remarques ou alors des questions, et être, garder les pieds sur terre, être stable, et après, donc, se concentrer sur le vif du sujet, et ne pas souffrir du syndrome de l'imposteur. Et affranchissez-vous donc tout ce poids et explorez tout le potentiel qu'il y a en vous. Les idées, elles sont là. Il faut juste faire confiance. Il faut rester structuré, rester carré donc dans la thématique et apprendre surtout à gérer le stress. Parce que les choses qui nous déstabilisent dans une prise de parole en public, c'est le degré, le niveau de stress. Et bien sûr, et là, ce niveau de stress, il diffère d'une personne à une autre. Parfois, il y a ce stress qui nous, qui est booster, qui est encourageant. Donc, il y a cette montée d'adrénaline. Pour certaines personnes, c'est bénéfique. Mais parfois, ça peut basculer vers un stress qui n'est pas du tout positif. C'est un stress qui freine, genre frein, qui freine. Et, mais quand est-ce qu'on, sincèrement, lorsqu'on souffre de ce genre de stress, donc, quand il y a cette peur, c'est normal, il y a, donc ça nous prend par les tripes. Et voilà, ça commence à cogiter dans notre tête des idées qui ne sont pas vraiment dans le sens de l'objectif. Alors, donc, il faut apprivoiser le stress, apprivoiser les peurs. C'est normal, se dire que c'est normal. Ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de sentir, c'est normal, c'est humain. On n'est pas des robots et que, d'accord, on va se déstabiliser peut-être au départ, mais après, les choses vont partir petit à petit. Bien sûr, avec la préparation, avec l'organisation et avec aussi le degré d'intérêt de l'auditoire, de l'audience, des personnes qui sont en face de vous, qui sont en train de vous écouter, qui sont en train d'attendre du nouveau de votre part. L'astuce numéro un aussi, donc, qui vient à l'esprit, c'est de bien connaître l'auditoire, le niveau intellectuel de l'auditoire. Essayez de faire des petites recherches un petit peu à l'avance à qui vous avez affaire. Quels sont vos clients? Quelles sont les personnes qui sont en face de vous? Parce que dans toute communication interpersonnelle, pour qu'elle soit réussie, donc pour arriver à un niveau, atteindre le niveau attendu dans cette communication interpersonnelle, c'est la connaissance du public. Et leurs intérêts, qu'est-ce qui les intéresse, de façon, d'accord, la thématique, elle est là, mais donc comment transmettre ce message? Est-ce que je vais le transmettre dans leur langue, dans la langue maternelle, par exemple, parce que parfois on est obligé carrément de simplifier les choses dans la langue maternelle des personnes pour que le message fasse écho. Il y a des gens qui ne sentent. Le poids des mots, il est perçu surtout parfois dans la langue maternelle pour certaines personnes, pour les personnes qui sont sensibles à ça. Donc, connaître l'auditoire, connaître aussi si on arrive à mettre la main sur le cadre de référence.
le cadre de référence des personnes qui sont en face de nous, des interlocuteurs, de l'interlocuteur ou des deux ou trois. Donc, ça dépend du groupe. Ils arrivent de quel milieu, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs centres d'intérêt. Peut-être aussi l'environnement, si on arrive, par exemple, surtout quand on est dans une société, dans une entreprise, on travaille avec des collaborateurs pendant des années, on commence à avoir un petit peu, à les situer. C'est-à-dire, on ne va pas connaître la personne à 100%, mais on peut commencer, on peut avoir une petite idée globale. Et de cette façon, par la suite, il nous est facile un petit peu d'organiser donc, ou d'animer une réunion de travail, mais une réunion réussie, ce n'est pas n'importe laquelle. Il faut, donc, lors de la prise de parole en public aussi, identifier les causes de votre anxiété. On est anxieux parfois parce que, anxieux, il y a par manque d'information, des fois, par manque du jugement du regard de l'autre, qui n'est pas fondé, souvent, qui n'est pas fondé. Et pour contourner tout ça, pour essayer de dépasser ce niveau de réflexion, prendre du recul, juste, même pendant la réunion, pendant l'animation de votre speech, de votre récit, essayez de vous hydrater, boire de l'eau, hein, faire des pauses comme si vous êtes en train de boire, mais c'est un 2-3 minutes peut-être, hein, le temps de boire et puis d'ouvrir un petit peu. Oui, est-ce que je vous écoute? C'est pas donc, est-ce que vous voulez poser des questions? Est-ce que vous avez questions fermées? Non, on n'a pas de questions, on veut juste encore écouter. Donc, animer. La prise de parole en public, c'est aussi, il n'y a pas juste le verbal, il y a le gestuel, il y a le body language qui est là, qui bien sûr, qui transmet le message d'une autre façon, mais d'une façon beaucoup plus convaincante. C'est votre degré d'implication dans votre sujet, dans votre degré d'implication dans votre thématique, à quel point vous y croyez, à quel point c'est vraiment, vous sentez le sujet sur lequel vous êtes en train de débattre, sur lequel vous êtes en train d'argumenter. Donc, question de prise de recul. Donnez-vous le temps, donc organisez-vous. L'organisation, elle est très très importante parce que c'est vrai, parfois on tombe dans une situation où il y a lieu d'improviser. L'improvisation, on peut improviser, c'est correct, mais l'improvisation une, deux fois, pas pendant toute la présentation ou alors pendant tout votre récit. L'organisation, elle est parfaite. Il y a des gens, ce qui reste là, c'est que chacun a sa façon de s'organiser. Donc, soit des petites notes, peut-être sur un petit papier cartonné. Je dis bien cartonné parce que c'est pas un papier. Vous pouvez peut-être le prendre et puis circuler dans la salle. Vous bougez, vous êtes dans le mouvement, vous n'êtes pas figé. Parce que le fait de rester comme ça, figé, comme un robot, ou alors assis, ça diminue un petit peu ce pinch, ça. Mais l'action, quand on est dans l'action, quand on est dans le mouvement, ça inspire vraiment, ça attire l'intention et ça capte l'intention de l'auditoire. Et il y a un petit peu cet évitement de la monotonie. Il n'y a pas que là, je suis en train de raconter, ça devient monotone et il n'y a pas du renouveau. Donc, le renouveau, déjà, par rapport donc à la diversité des idées que vous êtes en train de détailler, mais aussi la diversité aussi dans votre façon de faire les choses, dans votre gestuelle, dans votre respiration, dans votre relaxation, parce que ça inspire confiance à l'auditoire. Si vous êtes vous déstabilisé, c'est vous n'avez pas confiance en vous. Comment les autres ils peuvent avoir confiance en vous? Comment les autres ils peuvent? Parce que c'est comme un effet placebo, c'est l'effet miroir. Vous projetez ce que vous sentez, vous projetez ce que vous voulez que les autres, comment les autres vont agir devant. Donc c'est votre façon qui impacte les autres et que
ça devient, il y a un échange mutuel, peut-être virtuel en un premier temps, mais on est dans ce mouvement, on est dans cette suite, on est dans cette fluidité, cette acceptation déjà de l'autre. Déjà, on accepte l'autre, donc dans notre, on est dans l'accueil, on est dans l'accueil. Et c'est un accueil qui devient par la suite mutuel. Déjà, l'accueil de vous en tant que présentateur, en tant que présentatrice, vous êtes dans l'accueil, vous avez les autres dans votre nid, vous les accueillez, vous êtes en train de les accueillir dans votre nid, mais c'est un peu contagieux. Les autres aussi, non, ils s'ouvrent à vous en fonction de votre degré d'ouverture, vous, à l'autre. Et il y a aussi un outil très, très, très important, surtout avant la présentation, surtout au moment où on commence à, on est prêt, on a tout, on a les idées structurées, on a notre plan d'action qui est là, que tout est OK, tout est en tête. Mais arrivent les derniers moments qui arrivent hein, juste avant votre présentation, où il y a un stress qui monte. C'est normal, c'est correct, c'est humain. Alors, pour contre-tourner cette hésitation ou alors cette angoisse, peut-être qui nous ici, comment je vais faire cette entrée en situation, ben, c'est la visualisation. Essayez de vous voir, de vous visualiser, de vous projeter. C'est comme si vous êtes en face d'un écran TV, un grand géant, un géant écran, et vous dites, bah, OK, moi, Naja, je suis là, voilà, je suis devant un auditoire et je visualise. Hein, par exemple, aujourd'hui, cette réunion, je l'ai visualisée, moi, tout à l'heure, dans la matinée, puis je l'ai revisualisée dans l'après-midi. Je ne connais pas les participants et les participantes, mais j'ai visualisé tout ça et j'ai vécu cette situation. Et de façon à ce que ça devient par la suite, ça, ce n'est pas expérience. Par la suite, ça, quand vous vous visualisez en train de faire votre présentation, de parler ou alors de passer un interview, pour vous, pour d'autres personnes, ça facilite vraiment, ça fait cet effet du déjà vu. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un truc étrange à vous. Donc, vous vous dites que oui, j'ai vu les autres et j'ai vu aussi l'intérêt. Donc, l'intention positive, le pouvoir de l'intention. Alors, quand il y a ce pouvoir de l'intention positive, il aide vraiment et ça nous laisse stable dans notre façon, dans notre déroulement de la thématique. Il faut travailler aussi le non-verbal. Hein? Le non-verbal, c'est vraiment, c'est ce que j'ai dit au départ. La gestuelle, les attitudes, l'intonation, hein, les regards. Le regard, c'est très important dans une prise de parole en public. Gardez en tête que le fait de regarder les participants ou la personne qui est en face de vous, vous allez me dire que ce n'est pas toujours évident de regarder dans les yeux les autres ou l'autre personne qui est en face de moi. Alors, astuce, ne regardez pas forcément le blanc des yeux, comme on dit. Regardez le front ou alors le troisième œil ici, quand vous êtes en train de parler. Regardez la personne entre les sourcils. Et ça fait un petit peu baisser cette tension, cette intensité du regard, du face-to-face, ça diminue l'intensité, mais ça garde la concentration. Ça garde la concentration, vous restez. L'autre, quand il vous regarde, il ne voit pas que vous êtes en train de lui regarder sur le front. Vous n'êtes pas en train de regarder entre les yeux, mais ce qu'il voit, l'autre, ce qu'il voit, c'est que vous êtes en train de le regarder dans les yeux. Et ça, c'est rassurant pour l'autre. Et aussi le fait de regarder les autres et donner un temps, hein, un temps à chaque participant. Essayez de balayer par le regard toutes les personnes présentes parce que
rester focus sur une ou deux personnes, c'est comme si il n'y a dans l'auditoire que ces deux ou trois personnes, alors qu'il se peut qu'il y ait un nombre assez conséquent. Les autres, ils vont se sentir délaissés, ils vont se sentir comme s'ils sont à l'abandon. C'est des sentiments qu'on ne peut pas gérer, c'est-à-dire on ne peut pas entrer dans la tête des gens et leur dire « oui, ok, vous êtes là, que vous êtes importants tous et toutes, vous avez la même importance ». Mais parce que chacun a sa carte du monde, chacun comment il voit les choses. Mais maintenant, pour contre-tourner tout ça et être un petit peu rassuré par rapport au bien-être des autres, essayer de balayer par le regard tout le monde. Et c'est un message indirect comme quoi vous êtes tous et toutes importantes et que, ok, je suis là, je vous écoute, je vous regarde. Si je vois quelqu'un, peut-être qu'il lève la main ou alors qu'il essaye de parler, oui, bien sûr, vous voulez rajouter quelque chose, madame ou monsieur, vous voulez rajouter, vous avez quelque chose. Et ça rassure vraiment les gens, le fait de balayer le regard, par le regard, tout le monde. Autre astuce, il faut rester bien, quand on est là devant les autres, devant les gens. Donc, avoir les pieds bien ancrés au sol, ancrés. Ancrés, c'est que quand on est droit, hein, c'est pas comme ça sur un pied ou alors les mains dans la poche, ça déstabilise et ça donne un air, hein, ça laisse l'autre penser que y a quelque chose qui va pas. Donc, ça rassure pas l'audience, ça rassure pas les autres qui sont en face. Mais quand on a les pieds ancrés sur terre, on est droit, la colonne vertébrale droite, le regard qui porte, la voix qui porte, le regard qui regarde vraiment tout le monde, hein, qui va aller, et puis toute la salle, ça rassure. Il faut rester libre et confiant dans votre posture. La posture, elle est très importante. La posture dégagée, les épaules vers l'arrière, le dos droit, ça rassure. Et aussi, donc, les mains, éviter les mains dans les poches et parler clairement et suffisamment. La voix. Votre voix, il faut la travailler parce que aussi c'est un gage de confiance et c'est un gage qui rassure. Quand on a la voix qui ne porte pas, il ne faut pas aussi crier. Donc, il faut faire la différence. Donc, crier et parler fort. Parler fort, oui, ok, c'est correct, mais il ne faut pas crier aussi non plus parce que des fois, ça casse les oreilles, ça dérange. Mais avec la pratique, il y a les trois P, pratique, on arrive vraiment à contourner tout ça et on arrive à maîtriser notre voix. Parfois, il faut parfaire son expression orale. Comment on peut parfaire l'expression orale? La parfaire, c'est-à-dire le choix des mots, le choix du vocabulaire. Les tournures de phrases. Des fois, on doit vraiment trouver d'autres tournures, des alternatives. Si on sent que le message ne passe pas ou alors il n'est pas en train de passer parce que le choix du vocabulaire, le choix de la terminologie ne correspond pas. Des fois, on le découvre en pleine séance. On sent qu'il y a. Et quand est-ce qu'on sent ça? Quand on est vraiment proche de l'auditoire. C'est à ce moment-là qu'il faut donc soit réduire, soit non, parce qu'il faut s'aligner au niveau des personnes qui sont présentes. Et donc, c'est là, mais on se corrige, soit on baisse un petit peu le temps, soit on le met un petit peu. Donc, c'est des réajustements qui se font pendant le déroulement de la séance. Aussi, donc, l'évitement des petits tics de langage qu'il faut bannir dans la voix, les « les « donc », les « mais », pas avec modération. Des fois, les mots de liaison, les petits « et puis ça, des tics, hein, des tics de langage, ils nous permettent, avec la pratique, bien sûr, avec l'expérience, avec le temps, ça nous permet de souffler un petit peu
mais aussi d'enchaîner. Hein? Ça nous permet de réfléchir à la suite. Mais quand est-ce qu'on arrive à ça après un certain nombre d'heures de pratique? Ça se travaille. Ne vous inquiétez pas. Tout ça se travaille et on arrive vraiment à parfaire notre langage et à maîtriser les tics, les e, les mots de liaison. On les utilise comme point d'appui pour enchaîner, pour brancher sur autre chose, sur le déroulement, ou alors pour basculer vers carrément autre chose sans que l'auditoire le sente, sans que le se rendre compte qu'il y a un petit changement dans le paragraphe. Peut-être qu'on peut avancer un paragraphe par rapport à l'autre si on voit qu'il y a besoin de clarifier quelque chose sur laquelle on devrait arriver peut-être un quart d'heure après. Mais s'il y a besoin de clarifier ça, on peut enchaîner par ça et ensuite avoir ça en place, bien en place en tête, pour rebondir par la suite au point sur lequel on s'est arrêté. Il y a aussi, ne vous blâmez pas si vous vous arrêtez par moment. Parfois, c'est même conseillé, les silences. Hein? Il faut que le silence soit utilisé comme une arme puissante. Parce qu'il y a dans le silence, hein, même si ça m'arrive hein, des fois de bloquer, c'est pas de bloquer, de se dire tiens, ok, je vais respirer, je vais boire de l'eau, je vais peut-être faire un petit mouvement jusqu'à la porte, puis revenir. C'est correct. Parce que le silence en tant que tel, c'est aussi un message. Dans le silence, il y a un message. L'interlocuteur le perçoit de cette façon. D'ailleurs, quand vous taisez, ce n'est pas un truc qui va vous blâmer. C'est pas quand vous taisez, ça veut dire que OK, ça y est, terminé, je ne vais rien dire. Non, ça capte encore davantage l'auditoire parce qu'ils se disent, il s'est arrêté, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un petit warm-up, comme on dit, un booster. Les gens se posent la question, ah ok, il y a un silence, ben, c'est là, ok, surtout quand vous avez dans vos réunions des clients ou alors des personnes, les perturbateurs, on les appelle les perturbateurs, d'ailleurs, pardon. Dans toutes les réunions, il y a toujours un ou deux qui sont perturbateurs, qui sont là, qui sont visiteurs, ils viennent, ok, ils assistent, ok, d'accord, ils sont là, mais alors, soit qu'ils vont là, ils essayent de parler aux autres, de faire vraiment des gens parasites, il y en a, et on s'attend à ça, on va pas commencer, mais pour capter l'attention de ces gens-là, c'est par des silences, par moment, il faut marquer des pauses, des silences, sans leur dire quoi que ce soit, parce que vous êtes en face des personnes, c'est des adultes, c'est pas des enfants, pour commencer à leur dire « taisez-vous, écoutez-moi, est-ce que vous avez compris, allez-y faire un tour d'heure ». Ça, bah, c'est ok, par rapport à la pédagogie, des fois ça passe, quand on parle de pédagogie, ça passe. Mais quand on est en face d'un auditoire d'adultes, on est en andragogie, c'est autre chose. L'andragogie, donc, c'est quand on est en face des adultes, mais avec des adultes, il y a un comportement différent. Et le formateur ou alors l'animateur qui est devant les adultes, il se comporte de tel. Alors, pour donc freiner les gens, pour les remettre un petit peu, pour les redresser, pour les remettre en situation, il n'y a pas mieux que les silences. C'est déjà expérimenté et ça marche sur tous les coups. Vous avancez jusqu'à la personne qui est en train de faire la perturbation ou alors en train de faire le dévagement ou la distraction. Vous juste la regardez, vous souriez, vous retournez un petit peu en marche arrière sans tourner le dos à l'auditoire. Et à petits pas, vous continuez, vous enchaînez. C'est des techniques, des astuces de persuasion. Ça va jusque-là, mes amis? Oui, ça va avec une jette. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait rajouter quelque chose, ouvrir une parenthèse.
Si tu permets, juste dans le cadre de l'humour, pour rigoler un petit peu, tu as parlé de Nia. Et donc, Inch'Allah, pour le sujet d'actualité d'Ava, c'est le match entre le Maroc et la France demain. Oui. Ce On sera Dérina déjà. voit, Dérina. on visualise. Et si Bravo. tu La as envie de faire les visualisation. actions, hein? Tout à fait. C'est la visualisation, c'est la pensée positive et c'est l'intuition. Il faut Oui, tout se passe avoir dans une le très mental. forte. Exactement. Et tout ça, ça paye et on obtient un gain. Il y a un gain, il y a un retour positif. Tant que l'intention est positive, tant Oui. qu'il y a le nia, oui, j'adore ce mot. Oui, et tu Et... sais comment on dit, juste un partage, comment on dit les pensées positives, l'intention positive attirent des événements positifs. Elles ne les attirent pas par hasard ou par coïncidence, parce que tout simplement, en pensant positif, on a tendance à penser aux solutions, à penser aux actions positives, à penser aux petits pas qu'on peut commencer pour faire ou réaliser des objectifs que je n'aime pas appeler impossibles, mais je les appelle même les plus ambitieux. Donc Exact. vraiment, on n'a qu'à paramétrer et que changer le mental et notre façon de penser et aussi nos idées reçues. Donc vraiment, ça s'apprend. Moi, ce que j'aime beaucoup, la beauté de la chose, c'est que je suis tout le temps déprimée ou je suis démotivée, j'ai des pensées négatives et tout ça. La bonne nouvelle, c'est que le changement s'apprend. C'est le fait de penser positif, ça s'apprend. C'est pouvoir prendre la parole en public aussi, ça s'apprend. Donc vraiment, il faut juste vouloir. C'est pouvoir, c'est vrai, mais le problème, c'est que la majorité se perd dans le fameux chemin entre vouloir faire et pouvoir faire sans arriver à l'étape faire, qui est la plus importante. Donc vraiment, tout s'apprend, on apprend, mais le Mehdi, il est là. À toi, Najat, je m'en Exactement, exactement, Hanan, ça s'apprend et ça se pratique et on arrive vraiment, c'est comme dans la physique quantique, ma réalité, je peux la choisir et c'est moi qui la crée. Je peux créer ma réalité. Donc, la réalité que je choisis, donc, c'est une fréquence sur laquelle je me mets. Je me mets dans cette fréquence de la positivité, de l'énergie, de la motivation, et je me dis, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est le pouvoir du mental. Il n'y a que ça. Et je commence la journée et je dis que je vais réussir mes objectifs, je vais atteindre ceci et cela, j'ai une tonne de travail et je vais la réaliser, je suis capable de la réaliser et ça va faire vraiment mouche d'ici la fin de l'après-midi. Et donc, c'est que je me fixe des objectifs qui sont précis, qui sont réalisables et qui sont aussi dans le temps. Parce que je ne vais pas dire, je vais arriver à ça, je vais réussir ma prise de parole, je vais réussir mon intervention et que je ne me fixe pas un horaire pour ça. Ah ben ok, un jour oui, ok, d'accord. Mais quel jour? Est-ce que c'est demain? Alors demain, je dois être prête. La semaine prochaine, je vais être prête. L'année prochaine, je veux être prête pour faire ma conférence devant 200 personnes. Ok, donc c'est un ultimatum que je me donne. Donc, ok, dans le temps, je le fixe et j'y vais dans cette voie. Donc, je me mets sur cette fréquence et allez, ok, je commence à pratiquer, à travailler, à continuer, à persévérer, à continuer, à recommencer et à refaire, et à refaire, à refaire. Il n'y a pas des choses qui arrivent comme ça. Rien n'est impossible. Il y a de la difficulté, claire, dans certaines choses, mais ce n'est pas impossible. C'est possible. Et il n'y a que moi qui détermine, qui juge le degré de la facilité et de la réussite. Pas quelqu'un d'autre. Peut-être que j'aurai des gens autour de moi, des personnes qui vont m'encourager, qui vont applaudir ce que je suis en train de faire.
Mais d'abord, ce que je suis en train de faire, il faut que je me dise hein, l'histoire que je dois me raconter, parce que c'est très important, les histoires que je me raconte à chaque fois. Donc, le moi qui est là au présent, et qu'est-ce que je me raconte sur moi? Donc, ce que je me raconte, il impacte ma volonté, il impacte mon pouvoir, il impacte mon intention, il impacte ma positivité dans la chose. Donc, la façon dont moi je me raconte des histoires, je dois la limiter dans la positivité et dans la visualisation. Parce que si je me vois, c'est comme dans un film, je suis en train, là, la petite Najat qui est là devant l'écran, qui est en train de faire ceci et cela, donc de s'en sortir, d'arriver. Et je me visualise aujourd'hui, je me visualise demain, je me visualise après-demain, j'arrive à atteindre cet objectif. Finalement, mine de rien, il vient tout seul. C'est comme de l'attraction. Hein. Je vais m'attirer ce que je suis en train de visualiser. Je vais finir par l'attirer. Alors, maintenant, par rapport donc, à l'adaptation du vocabulaire, dans notre vocabulaire adapté à notre auditoire, bien sûr, je suis devant des gens qui sont des scientifiques. Ma fille Abès, Anani, ok, d'accord, je rajoute dans mon intervention quelques chiffres, parce que peut-être les mathématiciens, les financiers, ils fonctionnent comme ça. Ils sont, hein, leur cerveau, il est composé, il est comme ça, il est fait de cette façon. Donc, et ils aiment bien écouter les chiffres, les statistiques, des pourcentages, des réalisations, donc, des courbes. Donc, voilà, la connaissance de l'auditoire, elle est très importante. Et il faut adopter donc, le storytelling, votre storytelling. Il y a des gens aussi donc, qu'ils ne sont pas du tout intéressés par les chiffres, au contraire, ils sont allergiques, mais alors on peut leur expliquer ce qu'on veut, on peut leur présenter ce qu'on veut, genre comme une histoire, hein? Stories, comme une histoire, genre documentaire, il s'est passé comme ça, les recherches, ils ont démontré que dans cette thématique, il y a des gens qui sont plutôt... Hein, qui captent beaucoup mieux, qui s'intéressent à votre façon, hein, en fonction de votre façon de leur raconter les choses. Donc, préférez toujours des phrases courtes, hein, pas les grandes phrases, parce que ça, les phrases longues, il faut quand même le style, hein, le contexte, hein, c'est-à-dire le style, il doit être aussi adapté. Il y a des gens, d'accord, qui n'aiment pas écouter trop longtemps pour comprendre. Juste sujet, verbe et complément. Essayez de jongler avec tout ça, de trouver le juste milieu pour que le message soit perceptible et il soit accepté. Donner du rythme et de la vie à l'intervention. Donc, comment on donne du rythme? Comment on donne de la vie? Il faut que... Hein, ok, d'accord, les phrases. Est-ce qu'il y a une phrase vivante et une phrase morte? Franchement, est-ce que... Mais c'est ma façon. Hein, comment moi, je vais exprimer la chose qui donne vie ou alors qui la laisse monotone? Donc, c'est mieux de donner vie, donc du punch, de la joie, parce que aussi votre posture, votre sourire, le sourire, il est contagieux finalement, ça avec expérience. Et quand il y a le sourire qui est contagieux, tout le monde, il est là dans la joie et dans la bonne humeur et il n'y a pas les têtes battues. Le formateur ou le présentateur, il a une tête battue et ça transmet ça, c'est contagieux. Alors, il transmet cette tête battue à l'ensemble de l'audience et tout le monde est là, pourvu que ça se termine, mon Dieu, ok, quelle heure il est. Et puis, alors, certains, ils vont, les perturbateurs, là, ils vont commencer à faire surface les téléphones, les messages, les. C'est-à-dire, ils vont essayer de trouver une occupation en attendant que ça, pourvu que ça se termine. Ils vont se dire, bon, pourvu, mon Dieu, que ça se termine. Alors, le sujet qui est abordé doit être déjà dans le centre d'intérêt des personnes qui sont là, le vocabulaire, la gestuelle, la posture, mais aussi le fait de convaincre. Vous allez me dire, ok, il ne nous est pas demandé forcément de convaincre les gens. Est-ce que vraiment, est-ce qu'ils attendent d'être convaincus? Donc, être
l'objectif, mon objectif, donc, de transmettre le message et d'être convaincante dans le message. Et comment, donc, je vais, moi, être, vous allez me dire, oui, Najat, ok, comment on va être convaincant? Comment on va sentir déjà qu'on est convaincant? Il n'y a pas de souci. Vous êtes convaincant tant que vous, il y a une énergie qui se dégage de vous, votre intérêt vous-même par rapport à la thématique. Parce que si vous n'avez pas intérêt vous-même à cette thématique, vous n'allez pas pouvoir la présenter comme on dit corps et âme. C'est-à-dire, tous vos sens parlent. Hein? Là, votre visuel, votre auditif, votre kinesthésique, tout parle de vous et exprime votre intérêt. Et c'est ce qui transmet votre conviction. Hein? Vous devenez convaincant. Aussi, c'est votre charisme, là, votre personnalité charismatique, il joue aussi un rôle. La personnalité charismatique se travaille aussi. Elle se travaille. On ne n'est pas charismatique. C'est vrai, il y a des enfants qui ont cette approche facile de l'autre, qui sont... On dit aussi, oui, il est sociable, il grandit comme ça, et ils ont c'est un don inné. Mais pour d'autres, il faut qu'ils se travaillent. Surtout si on est dans... Moi, je n'aime pas si seulement on est dans l'aide, dans la relation aux personnes, on est dans la formation ou alors on est dans le coaching, dans tous les domaines de la vie maintenant, actuellement, pour réussir notre communication, pour que les messages passent quand on veut, il faut travailler sans charisme. Alors, le charisme, c'est par la diversité, c'est par votre culture, par votre degré de connaissance, c'est par votre expérience aussi dans la vie. Et aussi, ça se développe aussi par votre résilience, les choses que vous avez vécues, d'accord, des hauts et des bas dans la vie, mais comment vous les avez vécues, comment vous les avez dépassées et comment vous en avez fait un tremplin pour aller au-devant des choses et que vous deveniez dans le partage. Hein? Vous êtes maintenant dans le partage, vous êtes dans l'explication, vous êtes dans l'approche de l'autre. Donc, c'est ce qui fait la différence entre orateur et orateur. C'est ce degré, c'est ce pont. Il y a un bridge, ok, il y a un bridge qui est là, un pont qui relie orateur, oratrice, oratrice, orateur. Et on dit, bon, ok, c'était juste une information, c'était monotone. Mais parfois, on dit, tiens, la personne nous a impacté. La personne, elle a laissé vraiment, il a quelque chose. Cette personne-là, elle dégage quelque chose d'autre. À part la formation, à part le savoir, à part la connaissance qu'elle a partagée avec nous, c'est là, il y a ce plus, on dit. Donc, c'est ce qui fait la différence entre personne et personne. Et ça aussi, je peux, moi, l'appliquer dans toutes les sphères de la vie. Il y a aussi un point très important quand on est en face d'un public, c'est l'anticipation d'éventuelles attentes, l'anticipation. Pendant que vous êtes en train de dérouler, pendant que vous êtes en train de faire votre présentation, pendant le temps que vous êtes en train de faire de faire votre récit, la gestuelle des autres, et il faut que vous soyez sensible à la gestuelle des autres. Est-ce que, parce que la grimace, il y a une réticence. Il faut être observateur de cette réticence. Est-ce que la personne, elle vient comme ça, elle est dans l'accueil, elle est avide, elle veut encore vous écouter, et elle s'intéresse, ça se voit. Une personne qui commence à... C'est ce moment-là qu'il faut intervenir auprès de cette personne, auprès de cette personne-là, ou alors... carrément déclencher une pause de 10 minutes ou alors débat libre pour faire la casse. Parce que vous allez commencer à sentir à un certain moment qu'il y a quelque chose qui commence à bloquer. Donc, il faut être très sensible à ces moments-là, à cette gestuelle. De la même manière que les autres, ils sont sensibles à votre gestuelle, dites-vous bien aussi que vous devriez être sensible à la gestuelle des autres, des gens qui sont à côté et qui sont en face de vous. Alors, veillez aussi à toucher les interlocuteurs en jouant la carte émotionnelle. D'accord, la carte émotionnelle.
Comment on va jouer cette carte émotionnelle, les émotions en général, les émotions de base, les grands box, l'émotion de la peur, l'émotion de la colère, l'émotion de l'angoisse, l'émotion de la joie. Ce sont les grands compartiments des émotions qui gèrent un petit peu, qui conditionnent notre vie. Alors, des fois, on voit juste la personne qui est là, juste en train de regarder, mais à l'intérieur, mais comment nous, on va savoir qu'il y a une émotion qui est en train là de se faire en face de moi, quand vous êtes en face des gens, vous détectez un par un, surtout quand vous passez une longue période, une heure et demie, vous commencez à connaître les gens rien qu'à travers l'expression de leur visage. C'est le sentiment qu'ils dégagent. Donc, émotion, sentiment, il faut avoir un petit peu l'œil et le feeling très sensible par rapport à ça. Alors, un sentiment de peur, un sentiment de... Il y a quelque chose peut-être derrière la personne, hein? Vous pouvez peut-être la prendre pendant la pause, vous voulez m'en parler. Essayez de trouver cette technique d'ouvrir le débat. Des fois, 2, 3 minutes règle le problème et la personne devient toute une autre personne. Elle change déjà de posture, elle est dans l'accueil, elle vous écoute, elle est plus confiante, plus à l'aise en face de vous. Et c'est cette même personne, peut-être qui était au départ votre blocage, parce qu'il y a des gens qui ont des émotions, hein, qui sont en train de vous regarder suite à leurs émotions et ils vous déstabilisent par le regard. Sachez que ces personnes-là, ils ont des sentiments qui sont issus de leurs émotions et le fait de leur en parler, peut-être une demi-heure, une heure après, ça vraiment, ça règle le problème pour le reste de la journée. Surtout quand vous êtes mené à animer une formation d'une journée, de deux, de trois, et que vous savez que vous allez rester avec ces mêmes personnes pendant une semaine à faire votre formation. Donc, vous allez les voir le matin à l'après-midi, vous allez les voir tous les jours, et vous n'êtes pas en mesure là de les voir comme en train de vivre des émotions, des choses qu'ils ont ramenées de la maison. Vous réglez le problème, hein? Rien que qu'en les écoutant, parce que quand vous êtes à l'écoute de votre public, les attitudes, les regards, les expressions sur leur visage, tout ça change. Ça change. L'écoute, pratiquez l'écoute active, écoutez et repérez le moindre signe de décrochage ou non compréhension et rectifiez l'approche rapidement. On rectifie l'approche. On est en mode changement et en mode réaction. Donc, comment structurer le discours? Est-ce que le discours, on le structure, mais vraiment de quelle manière? Hein? Vous allez me dire, d'accord, la structure du discours, il doit être court, concis et clair. Les 3 C. Court, concis et clair. Il faut pas qu'il y ait une déperdition dans les idées de plein de bourrages. Parce que il est prouvé, d'après les neurosciences, les personnes peuvent rester en concentration pas plus de 20 minutes. Hein? 20 minutes, ils sont concentrés. Donc, essayez de débattre, essayez de dire ce qu'il y a à dire de plus important. Hein, d'une manière concise, claire et courte pendant ces 20 minutes. Puis, faire pause 10, 5, 10 minutes et après continuer, continuer, continuer pour ne pas basculer vers la monotonie. Les grandes phrases donc, dans une prise de parole en public sont les grandes phases, pardon, les grandes phases. Il y a des phases dans la prise de parole en public. Donc, c'est capter l'attention du public par leur intérêt, par l'accroche, par le pitch, comme on dit. À chaque public, il y a un pitch. Donc, par le pitch. Le pitch, c'est l'accroche, c'est l'idée. Il faut qu'au départ, dès le départ, il faut que ça soit bien soigné et que ça soit captivant. Il faut proposer, hein, proposer, entrer dans le vif du sujet et rappeler clairement, brièvement, le pourquoi votre intervention.
pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes en train de détailler, qu'est-ce que vous êtes en train de présenter aux gens. Donc, par la proposition, vous proposez et puis vous voyez, vous regardez dans donc, les feedbacks des gens qui sont en face de vous. Est-ce qu'il y a un feedback positif ou est-ce qu'il y a un feedback négatif pour que vous remédiez, pour que vous puissiez remédier par la suite. Balayer hein, quelques objections. Parce que pourquoi les objections? Je dis bien objections. Vous n'allez pas toujours tomber sur des gens qui seraient d'accord avec vous. Il y a des gens okay, qui sont là, mais ils regardent puis ils attendent l'occasion pour rebondir sur un truc. Moi, j'ai entendu parler de ceci ou de cela, je ne suis pas d'accord. C'est correct. Ils ont raison. Vous accueillez. Accueillez les objections et traitez les objections au fur et à mesure, chaque fois qu'il y a une objection qui vient, qui se propose. Ne laissez pas jusqu'à la fin. Parce que des fois, on laisse jusqu'à la fin, d'accord, mais on se trouve avec une confusion dans les idées et traitez les choses, c'est-à-dire sur le tas, c'est-à-dire au même moment. Ou alors, je n'ai pas compris ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire. Trouver des alternatives, hein? Dire les choses autrement, reformuler. Le pouvoir de la reformulation est extraordinaire. Il y a des gens, OK, ils disent, j'ai compris, il n'y a pas besoin de reformuler. Mais dans l'auditoire, il y a des gens qui sont de différents milieux, de différentes cultures, et à qui il y a besoin de, chez qui il y a besoin de reformuler, de dire les choses en d'autres termes, d'autres manières, autrement dit. Et ça fixe vraiment l'objectif et l'idée. L'argumentation, hein, on argumente. Quand on propose, bien sûr, ou quand on détaille une idée, l'argumentation, elle est très importante parce que ça démontre un petit peu votre degré d'enthousiasme. Quand vous argumentez, vous êtes intéressé vous-même. Vous voulez que vraiment le message soit perçu. Vous voulez que vraiment que ça soit, que vous aboutissiez un petit peu à votre objectif. L'argumentation est très importante dans une prise de parole en public et ça fait aussi capter l'attention de l'auditoire et cela sous-entend donc qu'il faut bien connaître son public, qui sont ces personnes à qui vous voulez vous adresser, qu'attendent-ils et vous mettez un petit peu par la suite la main sur... C'est au fur et à mesure, donc, et vous réajustez. Donc, au fur et à mesure, qu'est-ce que vous pouvez rajouter, qu'est-ce que vous pouvez diminuer, qu'est-ce que vous pouvez même supprimer. Mais si vous avez prévu de dire quelque chose, pendant le déroulement, vous remarquez que ça ne parle pas au public. Il va, tiens, OK, vite fait, vous continuez, vous faites sauter ce petit puzzle qui est là, mais que l'enchaînement doit être logique. Soyez dans la modération, avec modération. Regardez loin dans la salle ou dans, je ne sais pas, dans l'espace dans lequel vous êtes en train de vous exprimer. Regardez loin pour être entendu. Donc, tant que vous projetiez un petit peu dans le fond de la salle, tout en regardant bien sûr tout le monde. Ce n'est pas en regardant hein, à côté des pieds ou par terre. Hein. C'est comme si on est en train de fuir le regard des autres. Regardez loin, parce que essayez, pratiquez cet exercice, regardez loin. La voix, elle porte, vous avez le cou qui est dégagé, vous avez les cordes vocales qui sont libres et vous exprimez d'une façon plus claire et vous entendez votre voix qui se travaille aussi avec le temps, bien sûr, avec le temps, vous entendez, mais en parlant comme ça, avec une belle posture, comme j'ai dit au départ, et
Et votre voix commence à porter et vraiment à se fixer les limites en fonction de l'espace dans lequel vous êtes. Est-ce que vous allez lever le ton? Est-ce que ça va être juste parce que la salle elle est petite et que voilà, c'est suffisant, la voix, que votre voix, elle suffit, l'auditoire. Alors, votre voix se doit d'être suffisamment haute pour être audible de tous. C'est pas, pas mâcher les mots. Pour être clair, hein? Le fait de mâcher les mots, ça induit un petit peu dans l'incertitude. Quand je ne suis pas sûre de moi, ou alors ce que je suis en train de raconter n'est pas vraiment, hein, pas fiable. Et ça, c'est un entraînement. C'est un entraînement au quotidien. Répétez, répétez, répétez votre discours avant. Peut-être quand on est débutant devant un miroir, hein, mettez-vous en face d'un miroir et commencez à parler. Il n'y a pas de souci si vous avez tout ce que vous avez écrit ou alors sur, là, sur votre tablette. Et après, donc vous lisez et vous vous regardez en même temps. Après, vous passerez à l'étape de la... filmez-vous. Non, mais avec votre téléphone, oui, pourquoi pas, filmez-vous. Mettez votre téléphone et puis prenez, hein, une petite vidéo pour voir où est-ce que vous en êtes. Quelle est votre posture, quelle est votre gestuelle pour la modérer, parce que des fois notre gestuelle elle dépasse un petit peu les bornes et elle devient, au lieu d'être aidante, elle devient limitante, elle dérange l'auditoire, elle dérange le public. Parfois, sans le vouloir, sans le sentir, on en fait plus qu'il en faut et ça bascule un petit peu vers ce qui n'est pas souhaité, donc ce n'est pas l'objectif. Donc, repérez certains tics de langage ou de posture liés au stress. Quand vous vous filmez, c'est juste génial, hein, parce que vous allez vous voir tel que les autres vont vous voir quand vous êtes en audience réelle. Et donc, votre première vidéo ne va pas vous plaire. Ça, je vous le dis, il ne va pas vous plaire parce que vous ne faites pas attention à votre gestuelle, à vos tics, à votre structure, à votre plan, hein, le plan que vous avez en tête ou alors ce que écrit devant vous. Mais la deuxième, la troisième, la quatrième, vous allez voir qu'il y a une nette amélioration. C'est la pratique. Filmez-vous parce que l'œil neutre de la caméra, c'est plus que quand vous êtes devant un public. Quand vous êtes devant les personnes, devant les humains, et il y a cette aide, cette interaction, ces mouvements de tête, oui, ce hochement de tête, ou alors les yeux, ou alors il y a une expression. Mais quand vous êtes face à l'œil neutre de la caméra, c'est là le vrai apprentissage, parce que la caméra, elle ne va pas vous juger, elle est juste là en train de vous filmer. Et vous ne savez pas ce que vous faites, est-ce que c'est OK, est-ce que ce n'est pas OK. C'est quand vous vous visualisez, hein, dans votre film, c'est là où vous allez remarquer les choses à corriger. C'est qu'il y a, que ce soit dans votre élocution, dans votre voix, dans votre structure, dans votre façon de détailler les choses. Il faut réagir aussi, il faut être sensible, et il faut être réactif, hein, réactif au bafouillage, au trou de mémoire. C'est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas programmé à les tremblotes, les lapsus. Ça arrive, hein? Des fois on est concentré sur la suite. Ah, donc au lieu de dire un mot, il y a un autre mot qui sort, peut-être qui n'a rien à voir. Mais remédier à ça vite fait, ou alors juste, ah désolé, ayez de l'humour, faites de l'humour. Racontez une histoire drôle, faites de la casse, de la coupure. C'est très intéressant. Donc, quand vous voyez les grands orateurs sur la planète, les grands animateurs TV, les influenceurs, ils ont cette technique, ils parlent au public, ils parlent, ils font des conférences et vous les voyez souvent en plein milieu de leur exposé.
Comme ce matin, j'ai vu hein, mon fils, il a fait ceci, ma fille, ou alors un collègue de travail, ou alors dans la rue, il raconte, hein, il raconte des anecdotes. Ça, c'est une technique. Ayez cette technique. Rappelez-vous des choses que vous vivez au quotidien, des choses peut-être qui sont drôles dans la vie. On a toutes et tous des choses qu'on vit, des situations, et gardez-les en tête pour les partager avec votre public. Par moment, quand vous sentez que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin donc de mettre les idées en place, racontez une anecdote. Ça vraiment, ça fait la casse, ça fait, hein, ça fait ces coupures. Apprenez donc systématiquement à remédier à tout ça et avec sang-froid, bien sûr, avec sang-froid. Et pour. C'est légitime, donc les trous de mémoire, comme j'ai dit, c'est légitime, ça peut nous arriver, on est fatigué. Donc, ne vous inquiétez pas. Vos slides, quand vous faites des présentations avec des slides, avec des diapositives, oui. Alors, veillez à ce que vos diapositives ne soient pas trop chargées. D'accord? Veillez à ce que vos diapositives ne soient pas trop chargées et que. Peut-être juste une image, des fois une image, comme on dit, il vaut 1 000 mots. L'image vaut 1 000 mots. Et des fois, c'est un aide-mémoire impeccable. Le fait de regarder juste l'image et puis vous retourner vers votre public, puis vous continuez, vous détaillez, ça vous donne vraiment les idées, ça vous remet en question. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce que vous voulez rajouter une petite idée par rapport à tout ça? Oui. Alors, d'accord. Dans le public, il y a aussi une technique très importante dans une. Oui. Donc, je disais, dans toute prise de parole en public, comme il y a des perturbateurs, il y a des personnes alliées. Il y a toujours des gens qui sont là, qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous connaissent peut-être à l'avance, qui ont hâte de vous rencontrer. Ces personnes-là, ces gens-là, il faut les repérer, il faut les connaître. Et donc, si vous avez l'occasion de les connaître, donc après, peut-être, vous allez les appeler en pleine présentation. Est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils pensent, peut-être d'un petit passage, hein, comment ils le vivent, comment ils pensent, comment ils ont vécu une telle ou telle situation, parmi les choses que vous avez détaillé. Mais l'astuce numéro un pour mettre de vos personnes, de les rendre des alliés, hein, et qu'ils soient de votre côté, c'est de les accueillir, d'assurer l'accueil dans la salle ou alors si vous allez pour la réunion ou alors dans une salle de formation. Si vous êtes à l'avance, bien sûr, on arrive toujours en avance pour installer le matériel, pour voir si on se familiariser avec les lieux. Mais je vous rassure, quand vous êtes là, quand vous accueillez les gens, bonjour, ça va, vous êtes là, vous êtes dans l'accueil. Ça, après, c'est comme il y a une alchimie qui se crée depuis le départ. N'attendez pas que la salle soit pleine pour dire, oh, bonjour, ça va. Ça, on va le faire. Mais dès un premier bonjour, il se fait en individuel, le one-to-one. Ça, c'est très astucieux et ça facilite le contact par la suite. Et c'est des gens que ça devient, on devient dans un esprit c'est-à-dire dans une mentalité de familial, pas familial. C'est des visages familiers, ils deviennent des visages familiers. Ce n'est pas des gens qui sont en train de regarder, qui sont dans le jugement, ils observent, c'est tout. Ils deviennent des observateurs. C'est comme si vous cassiez cette vision de jugement et ça nous calme en tant que présentateur, en tant qu'orateur devant un public. Ça fait baisser cette tension. Donc, il faut les considérer, hein.
ces alliés-là, ces gens-là avec qui vous allez vous familiariser, c'est comme des challenges, des boosters. Ce sont précisément ces personnes qu'il vous faut convaincre. C'est ces gens-là. Ce sont votre cible en un premier temps. Parce que si vous arrivez à convaincre 4, 5 sur 10, par exemple, c'est déjà de gagner. Parce que c'est ces gens-là qui vont être après expliquer de leur façon aux autres votre message, votre intérêt. Peut-être qu'ils vont vous solliciter une autre fois pour mieux vous connaître, pour bien, donc voilà, pour vous écouter. Donc, essayez toujours de vous familiariser avec quelques-uns des gens qui sont des présents, de l'audience. Alors, dans l'art oratoire, bien sûr, il y a quatre composantes. Il y a aussi, on va les voir, il y a les supports visuels, d'accord? Qui sont d'une grande aide. Et il y a cet esprit de conviction. Mais donc, pour être convaincant, il faut déjà être donc, convaincant soi-même. Il faut être déjà sûr de ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il faut se mettre aussi dans la tête ce que j'ai à dire. C'est à 100%. Donc, je sais ce que j'ai dit. Chaque orateur, chaque oratrice, chaque présentateur, chaque formateur, il connaît le sujet parce que c'est un des must. On vient pas devant les gens et en n'étant pas préparé. Ou alors, c'est avec l'expérience. On a le temps, on a eu l'occasion de le faire et de le faire et de le faire. Ça devient ancré et ça devient facile. On sait. Donc, c'est 100%. Quand on sait à 100%, seulement ce à quoi je pense à dire ou ce que je suis en train de dire, et je peux le transmettre que à 10%. Pourquoi? Parce que ce que je veux transmettre, il passe par des filtres dans mon cerveau, moi en temps. Donc, il faut se mettre dans la tête. Et il n'y a pas souvent l'autre qui n'a pas compris, l'audition qui n'a pas compris. Les personnes présentes qui sont, hein, ah, ok, j'ai parlé depuis ce matin, ils n'ont rien compris, le message n'est pas passé. C'est toujours les autres. Non, il y a aussi moi. Et quelle est ma part dans la chose? Donc, ce que je veux dire, entre ce que je veux dire, ce que j'ai l'intention de dire, comment je le dis, comment je le transmets, comment il arrive chez l'autre, hein, le récepteur, la réceptrice, comment il le reçoit, le récepteur. Il y a vraiment une déperdition du message de vraiment 80, je crois 90% qui disparaît dans la nature à cause de comment j'ai dit la chose. Dans ma tête, oui, c'est entre ce que je veux dire, ce que je dis, comment je le dis, hein, il faut faire attention un petit peu à ça. Donc, pour rester un petit peu dans la, c'est-à-dire, je ne vais pas dire l'exactitude, parce que exactitude 100%, elle est nulle. Il n'y a pas une exactitude à 100%, parce qu'il y a toujours comment je vais dire la chose, comment je vais l'annoncer, et l'autre, comment il va la recevoir aussi dans sa carte du monde, dans son cadre de référence, ses croyances, ses valeurs, sa perception, son acceptation de la chose, hein? Le message, il peut atterrir d'une manière, il peut atterrir parfois correct, mais parfois atterrir en catastrophe. Alors, admettons qu'il y a donc ces 1000 possibilités dans le langage, hein, dans la transmission du message, pour avoir un feedback dans ce rouage, dans ces rouages. Si on est sensible à ça, on fait attention à ça et on devient beaucoup plus aller vers. D'accord? C'est correct. Ce que j'ai dit n'est pas atterri de la façon dont je veux. Donc, c'est à moi de me corriger, de reformuler. Donc, on revient toujours à cette notion de reformulation et d'alternatif. Et aussi, donc, l'acceptation, hein, l'acceptation de l'idée de l'autre.
Il va peut-être, hein, avec un non-verbal, il va m'exprimer. Les autres, ils sont là juste avec leur non-verbal que le message ne passe pas. Ou alors le sujet, ou alors le vocabulaire, il devient un petit peu avancé par rapport à leur niveau, ou alors beaucoup très inférieur par rapport à leur niveau. Et on doit être dans l'acceptation de tout, parce que ça arrive, hein, ça arrive. Quand on est dans l'acceptation, eh ben on remédie au fur et à mesure. C'est-à-dire le message, notre message devient perceptible, pas uniquement par le verbal, des fois aussi par les gestes, par la mimique, et les intonations, le rythme, le débit. Hein, le débit, comment on relate les choses et à quelle vitesse, hein? Il faut que ça soit aussi avec modération. Avec modération, il ne faut pas que ça soit trop vite ni trop lent. Il faut respecter aussi la proximité. Dans une prise de parole en public, la proximité, c'est très important. Surtout qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on s'approche trop. C'est-à-dire, on garde quand même hein, un certain nombre, peut-être un mètre entre moi et la première rangée de l'auditoire, de façon à ce que je ne piétine pas dans le territoire de l'autre. Surtout les personnes qui sont devant, quand la place, elle est comme ça, elle est juste... Mais quand c'est en U, c'est pas mal. Quand la salle, elle est aménagée en U, que vous êtes mené peut-être lors des réunions de travail ou alors de vos présentations, de vos formations... vous avez le temps de circuler un petit peu au milieu, mais vous circulez tout doucement avec modération et vous revenez à votre place. Il faut que vous soyez devant l'auditoire. N'allez pas vraiment comme ça, ne vous approchez pas trop, parce qu'il y a ce sentiment de « c'est mon territoire ». Hein, tu es arrivé là jusqu'à mon territoire, tu me caches là, il y a quelque chose qui bloque. Il y a des gens qui sont bloqués. Donc, donner, respecter la proximité, mais il y a une distance pour chaque intervention. Donc, pour les formations, peut-être 2 mètres, vous êtes un petit peu en face de l'auditoire. Quand vous êtes en interview ou alors en entretien, il y a la table, peut-être le bureau ou alors des chaises, il y a peut-être une proximité. Donc, la personne, elle est libre et il ne se sent pas envahi par... Déjà, c'est aussi bénéfique même pour le formateur ou pour le présentateur. Il n'est pas envahi par trop de proximité de l'autre, des autres qui sont là dans la salle. Il y a aussi l'apparence qui doit être soignée. En tant que présentateur, présentatrice, vous devriez faire attention à votre grooming, à votre apparence, à votre style. Parce qu'à chacun son style, le personal branding, c'est l'image de marque de la personne qu'il faut soigner. Et ça se soigne déjà par la posture, par votre posture et par votre attitude, mais aussi par votre apparence, votre style, votre habillement. Il faut que ça soit correct en fonction de la circonstance. Mais aussi, le vêtement, votre vêtement aussi, il joue un très grand rôle. Si vous êtes mal à l'aise dans vos vêtements, comment vous pouvez être à l'aise devant votre public? On a déjà un truc qui ne marche pas avec ma chemise ou alors mon pantalon ou ma jupe. Alors, comment je vais, moi, être à l'aise devant le public? Comment je vais me concentrer sur ce que je suis en train de faire? Soyez vous-même. Surtout, soyez vous-même. Gardez ce cachet. Gardez cette identité. Votre identité, elle est de mise, elle est très importante parce que n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre que vous. D'accord, on peut avoir des modèles d'orateurs, d'oratrices, des modèles à des gens à qui on veut ressembler, mais ce n'est pas ressembler à 100%. Bien sûr, être dans la mode, faire de la modélisation, modéliser ces gens-là. Il y a un travail qui se fait en coaching pour modéliser l'excellence humaine chez une personne, mais on modélise juste l'excellence humaine. On modélise pas on reste nous-mêmes, mais on fait comme fait les autres. C'est-à-dire,
Comment la personne qui est bonne oratrice, Oprah Winfrey, comment elle fait devant les caméras, comment, donc je vais la modéliser peut-être pour que moi aussi je sois à l'aise devant, dans mes auditions, devant les caméras, devant monsieur, madame, tout le monde, avec les grands chefs d'État, je peux recevoir donc toutes catégories confondues d'individus, mais elle, comment elle fait? Quel est son état d'esprit, quel est son état d'âme quand elle est dans cette représentation, comment elle se représente les choses. Donc, essayez de trouver, donc, soyez vous-même, mais modélisez si vous avez des idoles, si vous avez des modèles hein, dans le monde. Il n'y a pas de mal, mais prenez juste ce qui correspond à votre personnalité, parce que c'est ça l'intérêt de la chose. Vous faites les choses, mais vous les faites à votre manière. C'est ça l'excellence, parce que c'est ce qui va impacter beaucoup plus les autres. Comme on dit, faire les choses à sa sauce. Chacun fait les choses à sa manière. Donc, on a tous peut-être appris à faire, à diriger, à orienter, à former, mais chacun est là et il impacte d'une manière différente l'assemblée, l'auditoire qui est devant lui. Il y a l'estime du public. Je parlais de l'estime de soi tout à fait au début. Il faut s'aimer, il faut être en accord, en harmonie avec soi-même pour pouvoir estimer les autres, hein, pour avoir cette, vraiment ce champ de possible d'aller rencontrer les autres dans leur carte du monde. Donc, c'est ça l'estime du public. Et aussi, il faut être sincère. La sincérité se traduit par, bien sûr, par l'exactitude de ce que vous êtes en train de dire, mais aussi la sincérité par le degré de votre de confiance en soi. On arrive à un certain degré de confiance en soi, on devient, bien sûr, on est confiant et automatiquement la sincérité, elle immerge et bien sûr, et on peut maîtriser beaucoup plus davantage notre prise de parole en public. L'acceptation, c'est juste magnifique. L'acceptation, je m'accepte moi tel que je suis, je m'accepte tel que je suis. Les choses, mon savoir, j'accepte mes connaissances et j'accepte aussi les points de vue de l'auditoire parce que c'est des êtres humains, c'est des êtres vivants. Je ne vais pas leur imposer ce que je suis en train de dire ou alors je coupe court à la discussion, ou alors ben, je suis là, je vais terminer et puis c'est tout. Non, je les accepte tels qu'ils sont, avec leurs différences, avec leur indifférence même. OK? Pas ils sont indifférents, mais je les accepte. Je dis que oui, d'accord. J'accepte les autres. Là. Donc, le premier contact avec le public, comme j'ai dit, il exige donc l'accueil, il exige la compréhension de l'autre, il exige ce eye contact. Le eye contact, il est très important depuis le début et ça mène vers la perfection. D'accord? Il faut garder un mental d'acier pendant toute votre présentation, pendant toute votre audition. Le mental, il est très important. Quand on garde le mental, qu'on garde un cap très élevé, notre mental à un degré très élevé, ça nous aide à structurer ce qu'on veut dire et à pouvoir, hein, à pouvoir. Peut-être quelques jours avant votre présentation ou alors avant votre présentation, avant votre formation, la répétition, ça rentre dans le mental. C'est la préparation, pas physique, ok, on va y arriver parce que aussi, quand on va mener, peut-être on va rester debout 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut être reposé à l'avance. Hein? Il faut être reposé, il faut manger, il ne faut pas venir le ventre creux, même si c'est le matin, on n'a pas envie de. Prenez votre petit déjeuner correctement après une bonne nuit de sommeil. Ça remet les idées en place et vous êtes moins stressé le matin.
pratiquer régulièrement les exercices d'articulation. Les articulations, donc, ce sont ces textes où il y a les mots, il y en a sur Internet, si vous voulez vous exercer. C'est des textes où il y a répétition de syllabes, de suites, ou alors des consonnes qui se suivent, des mots qui se ressemblent, mais qui n'ont pas le même sens. C'est un peu difficile de les formuler. Il y a grande tournure de langue, hein, de cordes de phonétique aussi. Il y a un grand, hein, une élasticité dans vos cordes vocales, mais ça vous permet de vous exercer et d'avoir la voix qui porte. Donc, veillez au timbre de sa voix et à son volume par ce genre d'exercice. Le débit, le rythme, l'intonation, donc en fonction des choses que vous voulez souligner. C'est comme si vous êtes en train d'écrire, vous allez mettre en gras ou alors vous allez peut-être souligner au fluo. C'est aussi, on peut mettre l'accent rien qu'avec la voix. Des choses sur lesquelles les voix vont porter, des choses sur lesquelles la voix va peut-être diminuer et avec les exercices de l'articulation. D'accord? Le débit, bien sûr. C'est-à-dire, vous allez peut-être prendre un paragraphe, mais vous voyez que à un certain moment, vous allez sentir que vous êtes en train de trop dire. Essayez de diminuer parce que le fait, donc, on conseille en général entre 150 et 200 mots la minute. Là, c'est quand vous avez vraiment un créneau fixe que vous ne devriez pas dépasser. On va vous dire, vous avez une réunion de 40 minutes. Alors, vous savez que. Alors que mais vous avez beaucoup de mots, il n'y a pas que 150. Donc, hein, pour réguler un petit peu dans votre récit, c'est entre 150, 200 mots à la minute. Et c'est faisable quand vous avez peut-être un récit de 4000 mots, vous répartissez un petit peu ça. Sauf quand vous avez des supports, vous avez peut-être le nombre de mots qui s'affichent, hein, maintenant avec les nouvelles technologies. On sait combien de mots on va utiliser dans notre récit pour que ça soit bien synchronisé dans le temps imparti pour votre présentation. Ne pas être colérique, hein, quand vous êtes en train de parler. Donc, toujours garder le sourire, toujours. Être dans l'aide, ok, les personnes ou la personne qui est là, il a besoin de puisqu'elle est là, donc il s'intéresse forcément à ce que vous êtes en train de dire. Donc soyez très attentif et votre visuel, il doit être très sensible aussi par rapport. De telle manière, eux, ils sont sensibles, ils sont visuels par rapport à vous, ils voient vos gestes, votre mimique, votre sourire, votre posture, votre look. Vous aussi, vous êtes sensibles, hein, à l'auditoire parce que il y a des messages qui se transmettent de la part des autres rien que par leur façon d'être en général, la posture, le sourire, le regard, le body language. Il y a des gens qui s'assoient, qui sont en train de s'asseoir d'une manière qui est dérangeante des fois. On n'est pas là pour leur dire, bah, mettez-vous correctement, mais d'une manière, il faut accepter parce que le contexte ne permet pas donc de faire ce genre de remarques, même si ça nous dérange en général en tant qu'orateur, qu'oratrice, il y a des gestes de la part des autres. Attendez-vous à ce que pas forcément la posture va vous plaire, mais il ne faut pas que ça soit dérangeant pour vous. Gardez le focus sur ce que vous êtes en train de dire, être ouvert donc à la gestuelle. Regarder bien l'auditoire, respirer, faire des exercices de respiration chaque fois, peut-être pendant les pauses. La respiration des 4-7, c'est-à-dire
Vous respirez 4, hein, 4 secondes par le ventre. Vous soufflez 7 secondes. Et ça s'appelle la respiration 4, 7, 4, 7, 4, 7. Vous faites des intervalles comme ça. Vous faites des petits des relais 5 fois. Mais vraiment, ça oxygène le cerveau et ça vous remet peut-être en pause. Et ça, vous le faites pendant les pauses. Hein? Chaque fois que vous avez une pause, vous vous hydratez, vous buvez de l'eau et vous pratiquez la respiration. C'est très, 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 très encourageant. Adaptez donc le langage. On revient toujours à cette histoire de l'adaptation du langage. Des mots positifs, c'est-à-dire trouver des alternatives. Hein? Comment on va dire? Au lieu de dire nos bureaux, ou alors venez me contacter, je ne suis pas loin, je suis prêt, je suis tout, je suis prête à vos discussions, je suis prête à vous écouter, hein? Je ne suis pas loin. Loin, déjà, il y a cette notion, quand vous prononcez ce mot loin, ça freine l'autre personne, ça, c'est des ancrages, hein? Ça, c'est comme si dans le cerveau, il ne va retenir que loin, il ne va pas retenir que, oh, je suis à côté. Alors, appelez les choses par leur nom, soyez clair, soyez court, soyez concis et soyez dans le langage positif. Parce que c'est ce qui va capter, hein, ce qui va capter l'intention de l'autre. Il faut s'impliquer dans les intérêts de l'auditoire. Ben, d'accord ? Comment on va être impliqué ? Peut-être qu'eux, ils voudraient que vous ouvriez une parenthèse par moment par rapport à peut-être un souci qu'ils ont. Peut-être des fois hors sujet. Des fois, ils font hors sujet. Alors, votre feedback par rapport à ça, il doit être très court, hein, très court, parce qu'il ne faut pas faire quand même des perdition et que les autres, il y a certains qui vont sentir ils sont en train de perdre leur temps. Donc, vous donnez un feedback, vous êtes dans le, ah, bien sûr, vous êtes prêt, prête pour donc donner une réponse, mais peut-être vous pouvez dire à la personne, on se voit à la fin de la séance et on pourra en discuter un peu plus davantage. Donc, il faut surveiller les registres d'expression, hein. Il ne faut pas être agressif. L'agressivité et l'ironie, vous dites des mots, pas comme il a été dit la dernière fois ou ce que j'ai entendu. Non, soyez neutre, transmettez le message que vous voulez transmettre pour qu'il n'y ait pas de rejet. Quand vous êtes dans l'agressivité, quand vous êtes dans l'ironie ou dans le public, ce qu'il va faire, c'est une zone de communication négative. Le message, il ne va pas passer. Parce que même si vous êtes en train de parler de quelqu'un d'autre, hein, qui n'est pas là, ou alors d'une situation qui est déjà passée, mais elle est négative, il ne faut pas que ce soit un exemple à détailler devant, surtout quand on attend un feedback positif, parce qu'il y a rejet. Donc, il faut faire attention. Défiance et des retenues. Quand il y a défiance, il y a retenue. Je veux dire quelque chose, mais donc j'ai peur, j'ai une angoisse, je ne suis pas libre. Hein, en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, en tant que formateur, formatrice, il ne faut pas que j'aie peur d'annoncer quelque chose. Il faut que je sois claire, il faut que je sois convaincue de ce que je suis en train de dire pour qu'il y ait neutralité. L'autre, bien sûr, il va recevoir le message, mais il va être dans une de communication au moins acceptable. S'il n'est pas excellente, elle est acceptable. Il va m'accepter. Il va accepter mon discours. Donc, il faut créer aussi de la sympathie, de l'enthousiasme. Quand on dit on est dans la sympathie, d'accord, c'est donc les intérêts de l'autre sont mes intérêts, mais d'une manière qui se transmet par ma posture, par mon intérêt, par mes sens, hein, par mon vacuum entier, je suis là, et ça se transmet. Et il y a une adhésion, je peux obtenir un gain, je peux obtenir une satisfaction, parce que c'est ça l'importance de la présence de l'orateur devant un public. Il faut éviter la vulgarité, hein, les mots vulgaires. Hein, même si, between brackets,
envie d'abord. Ah, comme on a dit entre parenthèses, non, parce qu'il y a une zone de communication qui est négative, qui est en train de se faire. Il y a un canal. On est en train d'ouvrir un canal sur lequel, pas forcément, il y a adhésion de tout le monde. Il y a toujours ce fameux cadre de référence qui revient, qui survient, qui arrive et qui impacte un petit peu notre. Hein, on a peut-être des retours d'informations, des feedbacks, des retours et qui ne sont pas satisfaisants quand il y a des, hein, quand il y a des mots un petit peu forts. Il y a des gens qui sont frustrés, qui sont sensibles à ça, qui n'aiment pas. Ils ne vont pas vous le dire, mais ils sont frustrés. Alors, informer. Attirer l'attention, être convaincant et faire agir. Parce que si on aboutit, donc si on respecte ce cheminement, informer, attirer l'attention, essayer de convaincre, faire agir, l'action, elle vient de la part de l'auditoire. Donc l'action, donc soit ils vont ouvrir un débat, peut-être qu'ils vont vouloir aller un peu plus loin, peut-être qu'ils vont organiser avec vous et une autre rencontre pour clarifier certains points que vous n'avez pas pu détailler pendant une première ou une deuxième séance. Et c'est ce qui est motivant pour vous. Donc, donner à comprendre dans la situation, donner l'envie de comprendre, c'est ça votre rôle en tant que communicant, en tant que dans une prise de parole. Que ce soit dans n'importe quelle sphère de la vie, il faut donner à comprendre, laisser comprendre. Il faut être, il faut sensibiliser, hein? Il faut sensibiliser à certains, sensibiliser les gens à l'importance de ce que vous êtes en train de faire, à ce que vous êtes en train de dire. Les sensibiliser, bien sûr, par attirer, il y a des mots accrocheurs. Par moment, hein, essayez de trouver un mot accrocheur. Il y en a dans chaque thématique. Vous les gardez comme ça, vous ne donnez pas le paquet en un premier temps. Essayez de donner un petit chouïa au début, puis au milieu, puis vers la fin, parce que aussi il faut bien clôturer. Hein, parce que quand on clôture bien, on est satisfait et que les retours, les feedbacks qu'on reçoit par la suite, ils sont très satisfaisants. Alors, les supports, quand je reviens à cette histoire des supports que j'ai commencé tout à l'heure, surtout quand vous travaillez avec les visuels, les supports, donc, parce qu'il y a des gens qui sont visuels. Qu'ils aiment voir, peut-être un schéma, peut-être un écrit, hein, peut-être, mais les phrases elles sont courtes sur les supports quand même, il y a des images. Donc les visuels, ils vous écoutent ils, parce que vous êtes en train de clarifier les choses, mais ils captent beaucoup plus quand ils regardent. Ils sont très importants les visuels parce que ça marque un petit peu hein, le fait de l'optique et le visuel, il impacte un petit peu l'importance du sujet. Il y en a d'autres que peut-être ils vont vous écouter en buvant leur café. Il n'y a pas de mal de ça, vous ne hein, voulez pas dire non, on ne boit pas de café ici ou alors on ne boit pas de jus. Oui, ils sont, ils parlent le goût, hein, ils sont gustatifs. Donc, c'est comme s'il y a un ancrage. Donc, ils vous écoutent et ils boivent hein, leur café. Il ne faut pas que vous soyez dérangés. Laissez-les faire ce qu'ils veulent parce que c'est leur façon. C'est leur façon de capter et de suivre. D'autres, peut-être, ils vont en train. Vous êtes en train de parler, mais lui ou elle, il est en train de dessiner. Ils sont, c'est des gens qui sont kinesthésiques, qui aiment écrire, qui aiment faire des résumés ou alors carrément faire un dessin. OK, c'est correct. Peut-être que ce dessin-là, quand ils vont la voir à la maison, ça va leur rappeler cette ambiance, cet exposé que vous avez fait, cette ambiance qu'il y avait de travail. C'est juste magnifique. C'est après, donc ça va cogiter dans leur tête par la suite. Hein? Il y a Louis. Hein? D'autres, ils vont peut-être ni écrire, ni voir. Peut-être ils ne vont même pas regarder votre présentation, mais ils sont comme ça. Ils ne vous regardent pas, ils regardent par terre. Mais ne vous déstabilisez pas parce qu'ils sont auditifs, ils aiment écouter. Hein? Ils aiment écouter. Il ne faut pas que ça ne vous déstabilise pas, vous vous mettez dans la tête, ah oh, ben qu'est-ce que là, il est en train de, je suis en train de parler, ils ne sont même pas en train de m'écouter. C'est correct. Ce
que vous pouvez faire, c'est des petites pauses, des silences par moment pour les recadrer, pour recapter un petit peu leur attention et puis continuer votre discours. D'accord? Donc, les règles de base dans les diapos, donc il faut que ça soit donc pour les personnes qui sont visuelles, et il faut qu'il y ait des illustrations, des logos, des titres, un maximum d'idées, des idées, mais les plus importantes, par transparent, peu de textes, parce que quand c'est surchargé, ça devient encombrant et que la personne ne peut pas suivre, appliquer la charte graphique, bien sûr, donc le choix des couleurs, c'est très important. Il y a des gens qui captent par les couleurs, c'est les expressions par les couleurs, c'est des ancrages, hein? C'est des ancrages, ça le rappelle peut-être le dessin, le côté artistique qui est dans la personne. Alors, les espacements aussi entre les lignes, il ne faut pas que ça soit trop chargé. Il faut aussi éviter les fautes d'orthographe sur vos visuels. C'est très gênant, une diapo truffée de fautes d'orthographe, ça fait manquer de crédibilité. Maintenant, il y a les correcteurs d'orthographe en ligne ou alors la correction simultanée, il faut être sensible à ça. Déjà parce que ça va vous mettre en infériorité par rapport à... Parce que des fautes d'orthographe, vous êtes en train, ok, d'accord, de vous exprimer. Vous vous exprimez bien à l'oral, mais faites attention aussi à vous écrire ce que vous êtes en train de projeter ou alors au support que vous allez distribuer à votre audience. Des fois, on se trouve vraiment obligé de partager, peut-être faire des polycopes. Donc, faites attention. Et évitez les puces, trop de puces, les petites étoiles, les petits traits, les tirés, 36 000 puces, puce 1, 2, 3, voilà. Et puis, évitez l'usage excessif de puces, uniquement les puces importantes. Peut-être vous pouvez résumer ce que vous voulez dire en deux phrases, une ou deux puces plus une image. C'est vraiment très clair. Et aussi, même pour vous, en tant que support, si vous n'avez jamais, donc votre regard retourne vers votre diapo, il faut que ça soit d'une manière fluide et pas très imposante, ça peut éventuellement, ça peut être aidant pour vous. Vous n'allez pas vous perdre dans ces 36 000 puces. Donc, faites attention aussi aux polices. Et les polices d'écriture sur votre diapo, faites attention, c'est-à-dire n'écrivez pas en italique, évitez les écritures italiques parce que ça dérange les yeux et ça déstabilise. Alors la personne, au lieu de vous écouter, elle commence à regarder, mais qu'est-ce qui est écrit derrière sur votre présentation et qu'est-ce qui est là sur qu'est-ce qui est en italique, qu'est-ce que vous voulez dire? Toujours choisissez peut-être des polices Times New Roman ou alors Arial, mais peut-être avec des formats peut-être 12, 14 pour souligner, mais évitez aussi les couleurs qui dérangent, le jaune avec le vert, le bleu avec le mauve, c'est joli, mais ça dérange, ça frustre, ça donne une frustration. Il faut éviter trop de couleurs. Choisissez les couleurs qui font ressortir les mots, des contrastes, d'accord? Mais évitez les couleurs, parce que des fois, on reste perdu dans la couleur et on laisse passer l'essentiel qui est écrit à l'intérieur de cette couleur. Donc, les sous-titres, le texte, le contenu, on le laisse passer parce qu'il y a une couleur qui dérange. Et ça fatigue des fois, hein, le visuel, quand il est mal travaillé, au lieu d'être aidant, il devient limitant. On ne se concentre plus. Évitez les transitions qui distraient l'audience, ça n'apporte rien à votre discours. Alors, la distraction, les transitions, quand vous voulez passer d'un chapitre à un autre, essayez de ne pas vraiment s'éloigner de l'idée sur laquelle vous étiez. Il faut qu'il y ait quand même un cheminement logique, une continuation logique dans votre discours. Alors, parce que c'est ce qui garde la motivation pour garder au top votre,
votre motivation, déjà votre propre motivation et aussi la motivation de votre audience. D'accord? Donc, utilisez, appliquez les techniques des quatre, des QQO, QCCP. Donc, le qui, quoi, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qui sont ces gens-là? Quoi, qu'est-ce que je suis en train de dire? Où? Parce que l'environnement dans lequel vous êtes en train de parler, ne serait-ce même dans la maison, chez vous, dans votre salon, vous êtes en train de discuter un sujet en famille. Si vous voyez que dans cet endroit-là a eu une discussion au préalable, quelques jours avant, et que cette discussion n'a pas abouti vraiment à de bons résultats, et que peut-être la semaine prochaine, vous allez donc un sujet à vous avez un sujet pardon, à discuter en famille, essayez de changer l'endroit. Parce qu'il y a des ancrages, il y a des salles qui nous rappellent des choses où se sont passées des choses qui sont désagréables. On n'a pas envie d'y retourner. D'ailleurs, on se concentre mal si on va dans des endroits dans lesquels où se sont passées. Par contre, les endroits où les choses se sont bien déroulées, on a hâte d'y retourner. Et on est confiant. Quand on se visualise, on est content. Donc, on se dit, oui, cet endroit-là, des choses se sont passées bien. Donc, ça, c'est astuce très importante, diversifier les endroits de vos interventions. Mais surtout les endroits où vous avez eu des blocages, des endroits où ça s'est mal passé. Essayez de trouver d'autres endroits, d'autres salles, d'autres lieux. Hein? OK. Même dans votre vie quotidienne, essayez de diversifier. Quand, le moment aussi, il faut le choisir. Donc, où, l'endroit, le quand, est-ce que c'est convenable pour vous? Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Et est-ce que c'est correct pour vous? Comment vous allez commencer? Comment vous allez procéder? Combien, hein, posez-vous cette question, combien de temps? Et le pourquoi? Pourquoi vous êtes là? Quel est votre intérêt? Parce que si vous répondez à ces questions, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, c'est déjà 90% de la réussite de votre intervention. C'est clair, vous avez remis en place vraiment, hein, c'est votre plan d'action. Votre plan d'action, il est structuré. Donc, il faut avoir un plan précis écrit. Même si on improvise, les orateurs, les oratrices, tous et toutes improvisent. Parfois, ils improvisent en plein milieu, mais ils arrivent à cette situation, à ce degré d'improvisation. C'est-à-dire ce degré d'improvisation, il n'arrive pas comme ça, c'est pas le fruit de rien du tout. C'est l'expérience, c'est la pratique. Et on improvise. Peut-être pour faire le lien, pour raconter une anecdote, en attendant d'enchaîner, en attendant de remettre les idées en place. C'est comme un gain de temps. C'est juste un gain de temps. Ça va nous prendre 1 minute, 2 minutes dans l'improvisation. Mais il y a aussi cette richesse de culture, cette richesse, cette diversité de savoir qui nous permet d'improviser. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Improviser, c'est avoir vraiment un esprit très large dans le sujet ou alors dans le sujet contexte. Parce qu'il y a une thématique, mais il y a des thématiques contexte qui vont en parallèle avec votre thématique, c'est par lesquelles vous allez meubler ces espaces, ces trous, ces hésitations par moment. Et c'est ce qui fait la diversité et c'est ce qui va vous mettre à l'aise. Vous n'allez pas rester comme ça coincé dans ce que vous êtes en train de dire parce qu'à un certain moment, ça devient, c'est pas, je ne vais pas dire fatigant, ce n'est pas stressant, mais on sent qu'il y a besoin de diversifier un petit peu le sujet. Donc, gardez en tête votre objectif, il faut le garder pendant toute votre intervention dans votre récit. Et pensez toujours à l'accroche. Il y a plusieurs accroches, donc vous avez un paquet où il y a plusieurs accroches. À chaque moment, vous faites sortir une anecdote parce que c'est les accroches, c'est les centres d'intérêt, ce sont les pitches, comme on dit au golf. Donc,
C'est ce qui permet un petit peu de mettre le poids, hein, de mettre le poids sur ce que vous êtes en train de dire et ce qu'il y a qui permet l'intérêt, qui suscite l'intérêt de l'autre qui voudrait bien vous suivre, que vous continuez. Donc, la conclusion, à la fin de votre récit, il ne faut pas que vous arriviez à bien certainement et je vous remercie. Thank you. Comment? Non, c'est-à-dire, comment c'est votre conclusion un petit peu, peut-être 5 minutes, même 10 minutes avant que vous êtes en train de redire ce que vous avez dit, donc le remettre comme ça, donc genre un petit récapitulatif de ce qui a été dit, tout doucement, de façon à ce que vous soyez en train de préparer la fin. La fin aussi se prépare. Donc, il faut se rappeler aussi donc, votre plan, le plan que vous avez. Donc, c'est le plan que vous... normalement, votre plan, ce sont les idées que vous avez détaillées. Alors, vous avez le plan entre les mains et que c'est ce plan-là que vous allez relater, que vous allez peut-être répéter une deuxième fois de façon à ce que vous mettiez, vous fixiez ces idées, les choses, les chapitres qui ont été traités. Ouvrir aux questions et à l'action, à la fin, hein, permettre, bien sûr, à l'audience, s'ils ont quelque chose à rajouter, s'ils ont des idées, s'ils ont une autre proposition, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que vous avez dit, tout ça. Donc, ça les permet aussi de rester, de garder ce cap de motivation du début jusqu'à la fin. Et donc, je me dis bien que je prends contact avec l'auditoire par une anecdote. Donc, je résume. Ah, ok, vers la fin, je prends donc le contact, parce que le contact, il est pris depuis le début, mais vers la fin, il faut le reprendre par une anecdote, par une expression, par une histoire. Je regarde encore tout le monde, je fais une introduction rapide. L'introduction que j'ai faite au départ, c'était pour ouvrir le bal, c'était pour donc donner un avant-goût. La deuxième, hein, c'est genre un tableau récapitulatif de ce que j'ai dit. Donc, je donne un relief et du relief à mon exposé. Je respecte des moments de silence, il n'y a pas de souci. J'utilise un vocabulaire et des expressions adaptées. Je trouve le plus d'exemples et d'illustrations pratiques, pratico-pratiques, comme il a été dit, comme il a fait X ou Y dans sa présentation. Je fais des illustrations parce que quand je touche le visuel, quand je touche le remémorer de l'auditoire, je suis sûre que ils vont partir avec quelque chose. Si je leur dis par quoi vous allez partir ce soir, ils vont dire que d'accord, on a retenu ceci ou cela, parce qu'il y a votre touche. Je montre un visage détendu, du début jusqu'à la fin. C'est un effort physique, d'accord, mais il est très satisfaisant et après, c'est le but, c'est l'objectif. J'accepte mes mouvements spontanés. Je suis dans la spontanéité, mais je sais qu'un geste commencé doit être achevé, d'accord? Je suis dans la gestuelle, mais je sais que c'est juste pour exprimer, pour remettre le point, pour renforcer une idée. Mais je suis attentif aussi aux réactions des personnes et je les invite à poser des questions. D'accord, mes amis? Parfait. Merci, Hanan. Ben, bravo, Najet. Je te félicite pour ce contenu très enrichissant. Merci, merci beaucoup pour tous les efforts que tu as fait avant, bien sûr, ce soir. Et tous les efforts pour ce soir. Merci beaucoup. Je laisse la parole à nos chers participants s'ils ont quelque chose à ajouter ou des questions. Merci pour votre présence et je te remercie beaucoup, Najet. À vous la parole, chers amis.
Ben, je pense que ça a été clair. Tout Je était clair. pense, moi aussi. Je pense, oui. Donc, Barthmaric. Je tiens merci. encore à te remercier encore une fois. Merci pour ton partage. Merci pour ta générosité. Il y a Fatma qui dit bonsoir tout le monde et merci à la Merci. formatrice. Ravi. Mais vraiment ravi, Hanan. Et merci. Et au plaisir de vous rencontrer Il y lors a d'une aussi Monsieur autre Khalid thématique. qui vous dit c'est très très clair. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a que des remerciements. Amin, ya Rab, inshallah. Merci beaucoup, Hanan. Ben, merci Et à toi. Merci à toi. merci Jazakallah aussi. wa alf khair. Merci, merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui avec nous. Et donc, au plaisir de partager encore et encore. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Et vraiment, ça me ferait plaisir, inshallah, de reprendre. Inch'Allah, vivement. Ouais. Inch'Allah, vivement d'autres événements ensemble. Inch'Allah. Donc, le débat continue sur le groupe. Le coaching pour tous, comme vous le savez, il reste ouvert jusqu'à demain, fin de journée. Inch'Allah. Donc, si OK. vous avez des questions, des réflexions ou vous voulez prendre contact avec Najet, n'hésitez pas, ce sera sur le groupe. Et lui envoyer des remerciements, pourquoi pas, des ondes positives et des encouragements. Donc, je vous dis merci encore Merci, Najet, merci Hanan, et merci tout le monde. merci beaucoup. Yarabia qui te dit, vous étiez excellente, généreuse, merci beaucoup, merci Rabia. Merci, Rabia. Merci. Donc, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, et De même. Inch'Allah, à la prochaine, inshallah, À la avec la prochaine. nouvelle thématique. Barakallahu bonne Merci. soirée à tous et à tous. Bye bye. Bye Merci, bye. Najat. Merci. Bye bye. Barakallahu